Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Watch Dogs, en compagnie de personnes, je vous souhaite une bonne vidéo juste après l'intro. Donc comme je vous l'ai dit, on se retrouve sur Watch Dogs. Voilà, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai pas eu mon objectif de 20 likes, mais je me suis dit je les fais pas attendre, j'ai vu qu'en plus ça faisait des vues. Donc voilà, donc nous partons, vérifier si nous avons des voitures. Non, nous avons que dalle. Rien. Ok. Peinture, ouais. Ok. Alors, oh bah tiens, il y a quelqu'un qui parlait. Ok, donc on part direct là. Donc comme je l'ai dit, on va finir la mission. On va faire Cyber Driver et d'autres missions. Une autre mission, je sais pas si... Enfin, on verra. Les gars, mon téléphone vient de se faire infecter. Voilà, non, c'est pas possible. Surtout que c'est Josh. Alors. Non, il n'y a pas. Parce qu'en fait, ici, on peut avoir la tenue... comment il s'appelle l'autre, là? Aiden Pierce. Voilà. Aiden Pierce, c'est le personnage principal de Watch Dogs. Dans Watch Dogs 1. Enfin, Watch Dogs, quoi. Et ben, c'est le personnage qu'on contrôle. Aiden Pierce. Oh, tiens. Bah, je vais faire l'événement camion blindé parce que moi, sans mon autre compte, que j'ai fini. Finalement, j'ai fini le jeu en fait. Et donc, j'ai fait un truc blindé. Là, j'ai gagné 700 000 balles. Je sais pas comment j'ai fait. Du coup, j'ai pu m'acheter la voiture à 700 000, forcément. Donc, voilà, vous avez les sous-titres. Si je parle en même temps, vous avez les sous-titres. Donc, il est là, le monsieur. On installe. Vas-y, balance. Ah, dégage. Comment c'est? Ok, maintenant on va récupérer le paquet. Protéger le cargaison. Non, attendez trop tôt. Je voulais qu'il se prenne. Qu'est-ce que tu as fait, bordel? Vas-y. Attends, en premier. Hop. Oh, oh non. Viens là, toi. Protégez la cargaison. Et merde. On l'a retrouvé. On est derrière lui. Bah, on attends, va prendre celle-là. Les suspects ont été signalés près de votre position. Oh, j'ai pas le boost. Ah oui, c'est vrai, c'est suspect, j'ai pas le boost. Oh, faut me défendre. Vite. 3 étoiles. Le suspect est pas loin. On va faire sortir son trou. Oh là là, j'ai l'impression de parler assez fort, mais bon, c'est pas grave. Là, faut que je finisse le chargement pour plus qu'on me repère et ainsi terminer le jeu. Enfin, terminer la, le truc là. On est sur place. Suspect repéré. Oula, pas passé là. Dans le premier épisode, on entendait pas très bien les personnages parce qu'en fait j'avais baissé le volume au montage, sinon on m'entendait pas et on entendait le jeu mais pas moi. Donc j'ai baissé le volume et là je vais faire en sorte que quand je parle le volume se baisse et sinon ça se... Il y a le volume parce que sinon on entend que dalle, il y a les sous-titres et c'est pas très bien. Enfin j'aime pas trop ça moi. Hop. Attends, c'est chaud, il n'y a pas le boost là. J'ai raison de finir. Allez, je vais la position du suspect. À toutes les unités, le suspect est toujours dans le coin, alors on le retrouve. Je l'ai vu partir par là. Coupez-lui la route de l'autre côté. Ah là là. Il me sent pas, c'est bizarre parce qu'il n'est pas très vite un mec comme qui. Enfin,
instruments de recherche découverts à proximité. Alors. Coupez-lui la route à cet enfoiré! Et merde, putain! Quoi? Putain, elle a une voiture qui va vite, hein! Elle se croit que c'est la voiture à 700 000, attends. C'est sur les jantes. Je peux pas partir. Dégage. Oh merde. Oh mais lui. Mais je te jure que si je te retrouve, je te déglingue. Ça part avec une voiture de flic, comme ça on va te retrouver peu importe où tu vas. Le paquet. Hop là! Ça, ils m'ont filé une bagnole. Présence potentielle d'un criminel près de votre position, à vous. Pas beaucoup de bonnets. Hein. Le bonnet, c'est les. C'est un peu comme la batterie du téléphone, c'est qu'on peut dire ça comme ça. Hop! Et voilà. On prend le paquet. Échapper au poursuivant. Ah c'est fini le traçant. Ça doit faire longtemps mais... J'ai pas fait gaffe. Oh là là. Ça part en cacahuète. Oh, j'ai pas vu celui-là. Oh, c'est si vite comme un bordel là. Enfin, le loup. Oh là là, ça me tire dessus. Pourquoi il tire depuis leur bagnole? Oh là là. Oh oh. Oh wow, wow, ça tire partout. Il y a un cercle. Oh bah, je suis mort. Super, merci d'être passé. Pas si intelligente la voiture. Ah oh. Oh non, c'est la mission. Alors. En attente de réapparition. Putain, j'espère que je vais gagner. Hein. Je vais trop avoir le fric. Le bif. Enfin, tout ce que tu veux, quoi. Oh non, c'est pas de bagnole. Pas de bagnole, pas de fric, pas de fric, pas bagnole. Enfin, c'est un cercle vicieux, quoi. C'est... On prend un petit peu, quoi. Ok, bon, on va y aller à pied, hein, parce que là... Allez hop. Tout, je prends un peu de fric. Un peu de fric, ça fait toujours plaisir. Hop. Récupérer le paquet. Super. On va chercher le paquet. Putain, je vois que dalle. Hop, je prends le poké. Objectif atteint. Là, c'est fini. Super. À mon avis, il a dû quitter la mission, je pense, comme ça. Du coup, j'étais seul et j'ai récupéré le paquet. Protégez la cargaison. 12 500. Ouais, voilà. C'est pas beaucoup. Oh, je suis que 64 000. Oh putain, je vais m'acheter le drone. Parce que le drone, il est vachement sympa. Je vais m'acheter le drone et je vais 60 000. Ah, c'est clair. Allez, salut. Prends la voiture, range le rover. Attends, c'est bon, c'est le logo Bugatti sur la voiture là. Franchement, je vais voir ça. Alors, Cyber Driver, on va aller à la mission. Voilà. La mission. Donc voilà, on va à la mission. Oh là là, désolé pour la mini coupure, hein, micro coupure, parce que vous verrez que j'ai rien fait, c'est juste en fait pour le montage, pour mettre les vidéos en plusieurs parties, du coup ça va couper des fois. Et j'essaie de pas trop couper longtemps, des fois je vais faire des accélérés, enfin je sais pas. Ah oh, dégage. Oh là là. Sérieux, je te jure les gens. Faut leur apprendre à conduire, hein. Pourquoi faire un demi-tour comme ça là?
pourquoi j'aurais pas pu couper, je sais pas. Putain, les gueules. Père. Hop là. Boss. Oui, oui, ça monte. Oh, c'est vrai que c'est une côte-côte. On raye la voiture. Maman va être contente, hein. Oh, les flics. Et voilà. C'est con parce qu'eux, ils montent pas. Voilà, là, on va faire la mission Cyber Driver, la suite. Parce qu'au premier épisode, je vous avais dit qu'on allait faire la suite dans le prochain épisode. Même si on n'a pas eu les vents live, je le fais quand même. Parce que sinon, ça attend trop longtemps. Et ça se trouve, s'il y a des gens qui regardent ça pour faire un tuto parce qu'ils n'arrivent pas à faire la mission, je ne sais pas, parce que la mission est super facile. Voilà, au moins, c'est fait, hop. Puis on fera d'autres missions. Et puis l'autre mission, encore une fois, je vais la couper dans le prochain épisode. Sauf que là, il n'y aura pas d'objectif, je la ferai quand même. Mais ça serait pas mal quand même qu'il y aurait un objectif, s'il vous plaît, de je ne sais combien de likes. On va dire 5 likes, allez. 5 likes pour Watch Dogs. 5 likes, ça serait déjà pas mal, 5 likes. Attends, quand je vois qu'il y a des gens, youtubeurs, ils font des 200 000 likes, tout ça. Mais bon, allez, vas-y, descends. Hop, oh, c'est un mec du CTOS. Salut. CTOS. Donc, je vous rappelle, l'objectif du jeu, en fait, de Watch Dogs, c'est d'avoir un maximum de followers. Donc, en gros, finir le jeu. Donc, en gros, il y a une mission qui va durer tout le jeu. C'est une mission que vous faites tout le temps. Ça s'appelle Fin de Bloom. Et celle-là, on la fera tout le temps. Et en fait, c'est avoir un max de followers pour pouvoir se faire bloom, comme ils disent. Voilà. Hop. Ouh là là, ça doit faire mal. Ouf, bon, faut que je regarde la route. Hein. Alors. Ah, l'antenne, là-bas, on la voit tout le temps. Oh, peu importe où je la vois tout le temps, l'antenne. Alors pour ceux qui sont sans ordi, petite astuce, enfin c'est pas vraiment une astuce qui va servir pour le jeu, mais quand vous allez sur Uplay, sur le PC, vous allez sur l'application Uplay, là où vous lancez le jeu, c'est un peu le même principe qu'Epic Games. En fait, il y a un truc qui s'appelle récompense club, je sais pas, un truc comme ça, parce que moi il est en anglais, du coup il y a marqué club revoir, enfin voilà quoi. Et vous avez des trucs à payer avec des pièces. Moi j'ai payé par exemple le camouflage, là le rouge avec la barre noire, ça je l'ai payé dessus, j'ai eu des tenues. J'ai eu des trucs, quoi. Vite fait, enfin, bref, je vous laisse aller voir. Même là-bas, il y a des fonds d'écran, je les ai eus. Je les ai téléchargés. Donc, voilà. Alors, trouver les données, clés, logo, machin, et carte de... Ouais, voilà, quoi. Tu m'as compris. Hop, et non, ce tunnel. Ah, j'ai déjà fait cette mission. Enfin, ce truc-là où je l'ai récupéré. J'ai déjà fait, je m'en souviens, je l'ai fait en multijoueur. Alors, il y a des gens, deux mecs. Ok. Toi, je te pirate. Toi, je te pirate. Enfin, je t'envoie une notif. Putain, il y a un mec là. Oh, je l'ai pas vu celui-là. Dégage. Bon, ça reste entre nous, hein, s'il vous plaît. C'est. Oh la vache. Comment j'ai fait pour louper ça? Je me suis fait tuer par un garde. Incroyable. Là, mon mode de jeu, c'est normal. J'ai pas mis difficulté, enfin, difficile, j'ai rien mis. J'ai juste mis normal. L'événement d'excès, on s'en fout. Marcus, un primate a mis la main sur certaines de nos données. Merde, où est-ce qu'il est? À bord d'une caisse, il file à pleine balle. Et Marcus, il y a quelqu'un à ses trousses. Je crois qu'un autre veut savoir ce qu'il sait. Je me chope une caisse rapide et je l'attrape le premier. Marcus, le hacker s'éloigne. Il faut que tu te dépêches. Ouais, je suis dessus. Ah, je suis dessus, hein. Tunnel, j'y vais pas. Et laisser fuir la cible. Au moins, il y en aura un qui sera content. Parce qu'en plus, c'est en multi, donc il sera content. Hop. Ah bah, tu vois, c'est ça que je veux, en fait. Mais j'ai pas de bonnet. Enfin, j'ai pas de point de recherche. Merde. Bon, je vais essayer de la voir. Oh, merde, ça s'échappe. Je vais essayer de la voir, mais je pense en 30 secondes, je vais pas pouvoir la voir. On va voir où il est. Oh non, il est loin en 30 secondes, je vais pas la voir. Très... Faire ça en 13 secondes, faut un avion, hein. Il y a pas d'avion dans le jeu. Ouh. Ouh là là, je conduis comme... Un animal. Je sais pas qui. Ah bah il est parti. C'est fini. On part pour la mission Cyber Driver. Parler à Wench. On va au garage. Le garage il est assez sympa. Il est planqué. Enfin, planqué. Il est dans une rue quoi. Hop. Je vais au garage.
Oula, il glisse. À mon avis, ça doit être une sportive, celle-là. Allez. Alors les dépanneuses, elles servent à ça, en fait, c'est pour faire un stunt. Mais sauf qu'il faut avoir le boost. Enfin, quand tu as le boost, ça va vite. Et en moto, c'est mieux. Hop. Alors moi, j'ai des petits jeux, hein, quand je vais en voiture. Parce que, vu que j'ai fini le jeu, j'ai plus grand-chose à faire sur mon gros compte. Du coup, je trouve des jeux à faire. Là, je vais au prêteur de gages. Je vais vendre mes objets, voir si j'ai des trucs, genre smartphone, tout ça. C'est là qu'on les vend pour gagner de l'argent. Hop. Ah bah, j'ai quand même 3900. Attends, je vais faire mon recharge de balles aussi. Voilà. Et voilà. Alors. Ça, c'est fait. Maintenant, on va aller au garage. Va vite, je pourrais presque faire le chemin en marche arrière. Hop, on passe, ça passe toujours. Faut que je regarde la route, moi. Je regardais la voiture en train de se crasher, mais faut que je regarde la route aussi. Oh là là. Comment je conduis? Alors, hop, voilà, le garage il est là. Pas très bien planqué, mais enfin il est sympa. Il y a beaucoup de missions. En fait, c'est un peu comme un Hacker Space. Et voilà, vous voyez la voiture Cyber Driver. Attends, on peut la casser ou pas? Attends, je vais essayer de foncer dedans, voir si on la casse. Hop! Ah oui, on la casse. Alors, encore un peu. Et voilà. Hop! Et voilà. Non, encore un petit coup, ça fait plaisir. Et voilà! Merci d'être passé. Ok. On fait la mission, on ferme le garage d'abord. Sinon, on va se faire opérer. Voilà, on fait la mission. Ah bah, elle est retournée. Et en plus, elle est pas cassée. Voilà, là, c'est l'heure où on va bricoler la bagnole. La chignole. Voilà, ils sont doués ces messieurs, hein. Enfin, ces gens. Hop. Je crois qu'après, on va faire une course. Enfin, on va faire une course de voiture, on va la télécommander. Enfin, on va la contrôler avec la tablette où il n'y aura pas de gens dedans. Enfin, il y aura personne dans la voiture, quoi. Je crois que dans mes souvenirs, on va faire ça. Alors, toujours avec sa plaque, tu sais qu'on ne sait pas ce qu'elle fout. Alors, on démarre. Essayez de voir si elle marche. Si elle fonctionne. N'importe quoi. Ah bah voilà. Et ben voilà, il suffit de pas grand chose. Hein. Voilà, c'est bien ce que je pensais, on va faire une course. Parti. Alors, il y a des gens ou pas l'intérieur? Non, il y a personne. Voilà, on va faire une course. 2, 1, go! N'importe quoi. Attention mon jeune, je suis pas la smart card de votre mère. N'importe quoi. À chaque fois on a 42 secondes pour pouvoir passer les checkpoints. 42 secondes, je peux y aller. Hein. On a le temps, 42 secondes, fois. À moins que ce soit un gros bourrin qui fasse que des accidents. Là, c'est pas compliqué. En plus, pour semer les flics, là, hop, course poursuite. Pour semer les flics, c'est pas compliqué. Hein, vous suivez votre chemin là, avec le checkpoint. Au final, ils vont entrer de point jamais. Il y a juste des fois les esquiver quand ils coupent la route, mais pas grand chose. Hein. Voilà.
On a l'impression qu'ils foutent rien, les gens d'EdSec, en fait. Là, vous voyez pas, mais au fur et à mesure du jeu, vous verrez que c'est Marcus qui fait tout, en fait. Voilà, faut booster le moteur pour faire le jump. Et voilà! Il y avait une voiture WKZ. Hop, prends les escaliers. Ouais, il n'y a personne au volant, c'est la technologie, hein. Oh. Et merde, mais regarde la route! Casse-toi, connard! Comme les rageux de la route. Allez, on passe. Hop. Wouhou! Passe, on drift. Pour drifter, en fait, je mets le frein à main. Par exemple, sur les manettes Xbox, moi je sors sur PC avec, avec une manette Xbox, c'est B. Ou par exemple, enfin c'est à droite quoi, c'est là où il y a le Y, le A, enfin le B quoi. Après, vous, en fonction de vous, vous choisissez après vos touches. De toute façon, vous pouvez regarder, je mets le frein à main en fait pour drifter. Voilà. Hop, on passe. Bonjour chez vous. Et voilà. Commencez tout doucement, okay, voilà. Et puis boum, ça a coupé encore une fois, c'est pareil. Comme quoi, c'était une bonne cible. Ouais. Vraiment. T'es pas d'accord? Si, si, bien sûr, y a qu'à voir les chiffres, mais... Je sais pas, c'est... Qu'est-ce qu'on fait maintenant? De sérieux, je veux dire. On vise plus gros. Voilà, c'est ce que je pensais, moi aussi. Regardez là. Je sais, oui. Ça fait un peu youlose.com. La chaîne des gens qui font pitié, pas vrai? Ouais, c'est eux. Honnêtement, regardez-les. Ils ont même leur propre marque. Je les suis depuis leur première incursion sur notre serveur. Putain, arrêtez de me gueuler dans l'oreille. Utilisez plutôt votre voix intérieure. Enfin bref, il n'y a plus qu'à donner le signal. Nous sommes en relation avec Humanae Zulu. Au cas où la situation, on arriverait à l'étape des dégâts collatéraux. Ils seront discrets. Ok. Bon bah voilà. Faut lui parler ou c'est possible ou pas? Non. Mission accomplie, oui bon, on a compris. Vêtements, toujours rien. Voilà. Ouais. Je vais mettre ça. Pas mal. Hop. Masque. Ouais, pas mal aussi, on met. Pantalon, on met. Casquette. Oh, c'est hyper drôle. Oh, j'ai jamais eu celle-là. Enfin, je sais pas, je me souviens pas de la barre. On va mettre le bonnet. Pompe, ouais, on fait aussi. Là, ici, à quoi? Lunettes, ouais. Sacoche, ouais. Pantalon, ouais. Attends, fais voir. Ensemble. Hop. Ici, tout droit. Voilà, les vêtements, là. Par exemple, le chevalier et le militaire, là. Là, ceux-là, je les ai eus en payant avec les pièces sur Uplay. 119, je vais prendre. Hop. Ça aussi. Pantalon, celui-là. Casquette, non. Chaussures, non. Ok, voilà. Alors, 6 points de recherche, pas mal.
46 000 followers, pas mal. Ouais, les vêtements, je les ai déjà vus, je les ai vus en avance. Hop. Qu'est-ce que je vais prendre? Ça, faut que je le mette absolument, mais bon, je le mettrai après. Ça, faut que je l'ai. C'est chiant, et après, il y a les alarmes, tout ça, faut que je le mette absolument. Bon, voilà, hop. Hop, hop, hop. J'arrive. Ok, y a eu une petite coupure là, il y a les paroles, tout ça. J'ai eu un petit problème d'enregistrement. Donc, comme promis, je m'achète le drone, car il est pas mal. J'ai oublié de changer la peinture, mais c'est pas grave, ça se modifie après. De toute façon, je ne sais pas pourquoi je parle en continu comme ça. Hop, toujours rapide, donc c'est le moment de pas changer ça. Hop, pas mal le drone. Voilà. Alors, dans la semaine, je sais pas si c'est dans la semaine ou la semaine prochaine, enfin, j'en sais rien encore où je vais faire. Je vais faire une vidéo sur ma Bugatti, parce que je fais pas mal de vidéos, mais je les mets pas sur YouTube. Et j'en faire une. Là, par exemple, la prochaine, Marcus, je pense que ça va être modifié. T'as jeté un œil à notre nombre de followers récemment Ça avance petit à petit. Les gens doivent comprendre les vraies intentions de Bloom, Marcus. Voilà. Plus le temps passe, plus ils font confiance au CityOS, et évidemment, plus ils s'habituent au système. Et c'est là que EdSec passe pour une bande de conspirationnistes. En Lego, si on dit la vérité, mais que tout le monde refuse de l'entendre, au final, tout ça, ça sert à rien. Ouais, mais c'est que le début. Quand on montrera tous les trucs pas clairs qui se passent chez Bloom, les gens arriveront par milliers. Enfin bref, si vous voulez vous préparer pour pouvoir la faire, je vous le dis en avance, comme ça quand la vidéo sort, vous êtes prêts. Revenons à la vidéo. Alors, blablabla, c'est du blabla. New Down cherche vraiment à se battre avec nous. Ils ont banni la vidéo de recrutement de tous les sites communautaires et ils menacent de faire un procès à qui osera la poster. Ça va nous coûter des followers, cette histoire. Anticonstitutionnel. C'est pas bien. Encore pire que pas bien, c'est... C'est une déclaration de guerre. On me censure pas, moi. New Down, c'est une grosse arnaque. C'est des bourges. Ils balancent leur cash dans une pyramide d'élitistes à la con. On a un bon coup à jouer, là. Personne prendra leur défense, sauf peut-être les mecs qui sont déjà membres. On va tellement la bouillave, cette église de faux cul. C'est quoi, bouillave? C'est quand un papa et une maman s'aiment très fort, Josh. Hein? Ils aiment pas qu'on utilise l'image de Jimmy Siska, leur guignol médiatique. Alors on va commencer par lui. C'est leur porte-parole le plus célèbre. Ah mais c'est Jimmy Siska quand même. Écoute, quand j'étais petit, j'avais les lunettes Siska, le blouson Siska. Je connaissais toutes ces répliques par cœur dans Mission Danger. Putain, moi aussi. Même que j'ai toujours le sac à dos. Classe. Tout neuf en plus. Classe. Donc, pas Siska, ok. N'importe qui. Ouais, ouais, il doit bien y avoir un autre moyen, non? Ah, sérieux? Il est en ville pour le tournage de Cyber Driver. Du coup, peut-être qu'on pourrait aller lui parler. Histoire de bousiller sa relation avec New Down. Comme ça, votre Jimmy, là, il redeviendrait un mec cool. Eh, hey, je pourrais reporter mon t-shirt Siska sans me taper la honte. Attends, mais bouillave, c'est transitif comme verbe? Je peux dire, ma mère, elle a été bouillavée? N'importe quoi. Ok, ok, on se concentre sur Siska. New Down garde des dossiers pour faire chanter toutes leurs célébrités, pas vrai? Alors on va fouiller le centre local, on s'infiltre et on retrouve le sien. Tout le monde est d'accord? D'accord. Je vais prévenir les gens et je vous y retrouve. C'est parti pour la bouillave. Voilà, ouais, t'as tout compris. Pour la bouillave. Bouillave. Depuis trop longtemps, les prédateurs ont persécuté les faibles sous le couvert de la religion. L'église de New Down est une vaste arnaque. Votre rang est lié à votre contribution financière. Elle achète votre loyauté via chantage et terreur. Ils se croient sincèrement intouchables. Mais tout ça va changer. EdSec va lever le voile sur les véritables intentions de New Down. Vous pouvez nous aider. Mettez un masque et manifestez. Faites savoir à leurs dirigeants ce que vous pensez d'eux sur Internet. Rejoignez-nous dans la transmission de notre message. Plus jamais EdSec vous a révélé la vérité. Faites-en ce que vous voulez. Voilà.
Donc on part, on va retrouver Citara à la manifestation contre Newdown. Je sais quelle mission on va faire, je m'en souviens par cœur, je sais ce qu'il faut faire. Donc nous sommes partis. Allez, la porte toujours aussi longue. J'ai oublié de changer la sacoche parce qu'elle est dégueulasse celle-là. Enfin, elle est sympa, mais enfin, c'est pas un truc à porter tout le temps. Donc maintenant on peut avoir la voiture des techs, c'est bon. On peut faire la voiture quoi du film, là on peut la voir, on peut la commander à volonté. Il suffit d'attendre à chaque fois 60 secondes entre les enfin faut attendre 60 secondes quoi chaque fois pour commander des voitures, et faut pas commander en roulant pour ceux qui veulent savoir, et c'est sur l'application voiture à la carte. Voilà, parce que je vois plein de tutos, on dirait qu'il y a des gens qui galèrent, c'est pas compliqué. Voiture à la carte, et après tu choisis ta caisse. Pour acheter les voitures, il faut aller dans les magasins. Vérifier si la lecture audio elle est pas mise. C'est bon. Hop. C'est chiant quand même quand il y a des musiques. Je préfère la mettre moi-même la musique, mais quand j'en ai besoin. Puis c'est la musique de Hacker Space que je vais mettre. Hop. Ouh. Un peu plus loin et ça. Enfin un peu plus et ça passait pas. Hein. Ok. Oh là là. On va mettre la route, tu sais. Oh là là. Je me respecte quand elle est derrière à chaque fois. Mais... Dans la route, monsieur. Oh là là. Oh, c'est un refus de la route. Hein. Rappelez-moi de pas passer le permis sans passer ce truc. C'est des voitures comme ça. Là. C'est chiant. Ok, je vais tourner. Je vais aller tourner. Je vais aller tourner. Comme par hasard. Allez. Là le bâtiment c'est un bâtiment avec une longue restreinte assez chaud. On va la faire. J'ai envie d'avoir une voiture sportive. Eh n'ayez pas peur en même temps, sinon je vous écrase. Attention hein. Voilà, je vais prendre le téléphone de quelqu'un. Tout va bien. Voilà, je sais même pas comment ils font pour l'enflammer le téléphone. Du calme, dead sec est là. Porte quoi. Achetez l'illumination. Ils sont là pour votre pognon. Ça te va comme diversion? Bon, t'essayes d'entrer, tu jettes un œil ou... Yep, j'ai prévu mes habits du dimanche. Cool. Achetez l'illumination, vous dormirez sur des cartons. Ouais. Après, si t'as plein de cartons, c'est bien des fois, enfin pour une nuit, mais... Je suis en route. Je vais voir ce que je peux trouver sur Siska. Si ces enfoirés veulent la guerre, ils vont la voir. Je veux que tu trouves tout ce qui paraît louche. Si on veut gagner des followers, va falloir qu'on mette le doigt sur des trucs bien dégueulasses. Pourquoi on n'en apprend pas, plutôt ? Si on se fait choper à mentir, DeadSec va perdre toute crédibilité. Vous en faites pas, s'ils ont chié au lit, je retrouverai les draps sales. Et on remercie Marcus pour sa super métaphore. C'est cadeau, que du bonheur. C'est quoi encore ça? Non, ça va. On va faire tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est là. Ça reste entre nous, hein. N'oubliez pas, toutes mes morts restent entre nous. Hein. Vous le partagez pas à des gens. Parce que... Des fois, je me fais pitié quand même. Ok, hop. Ah, il est là. En fait, je cherchais le truc élévateur. Le chariot élévateur. Ouais, je crois que c'est ça. Chariot élévateur. Ici. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait la mission. On va voir si c'est là. On peut rentrer par l'étage. J'ai pas besoin de passer par tout le monde là. Tous ceux qui sont en bas. On va passer par l'étage. Et merde, c'était un piège. Je peux par là, non? Je crois que c'était un piège. Bah, je crois. En général, les trucs comme ça, c'est pour grimper et aller à un endroit, mais là, c'est pas marché, visiblement. Bah tiens, je vais aller sur le balcon qui est là-bas. Bah tiens, il y a une sportive. Enfin, un bolide. Cool, je vais le prendre. Partons d'ici. C'est fermé.
Ah oui, c'est vrai, peu importe la caméra que tu prends, il y aura toujours un poteau qui va te gêner pour pirater la clé. Chiant ça. Allez, un poteau. Toujours un truc pour te caler, enfin pour te coincer. Là aussi, on peut pas pirater le truc, y'a pas un bonhomme avec une caméra, non? Hop, on le distrait. Oh là 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 là! Bonjour monsieur! Qu'est-ce là-bas? Non, ils sont pas distraits. Ok, tout va bien. Le truc explose chez eux, ils font même pas. Ah! Non, eux, ils restent calmes. Non, bon. Bon. J'ai envoyé mon drone. Enfin, mon jumper. Jumper, je pense, ça va être bien mieux. Hop, j'ai cru qu'il allait casser. Alors, attendez, je vais arrêter de parler. Je peux ouvrir la porte normalement, oui. Oh non, pourquoi ils sont de ce côté là? Ok, voyons voir qui sont là. Il y en a qu'un. Oh non, il y a un autre là. Attends, je me pirate. Je le prends peu importe s'il y a d'autres gens. Hop, oh merde, je me suis fait repérer. Il fout le camp. Oui, c'est un bon. Hop, il appelle des renforts, mais bon, j'ai pas le temps d'y aller. Je prends ce truc-là. On perd pas de temps. J'espère qu'il me tire pas dessus. Faut que je reste dans une zone. Maintenant, on se les fait tous. Hop. Pas compliqué, hein. Ah, j'arrive pas à viser. Secours. Ok. Hop. On appelle des renforts. Oh non, je suis hors de portée. J'y aille, faut que j'y aille. Ok. Faut que je reste en fait ici, quoi. C'est ce qu'il veut, en fait. Hop. Attends, mais c'est un flic, ça. Ah non, c'est les renforts, la sécurité. Ok, c'est bon. Objectif atteint. Quitter le centre de recrutement. Pas de problème. Hop, on y va, on prend la sportive, ça tombe bien. Hop. Une faction fouille la zone, la police, quoi. La police, ils me recherchent. Hop, je pars avec la sportive. Là, le bolide. C'est pas une sportive. Hop, échapper à vos poursuivants. Mission accomplie. Il faut que je regarde la route. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi. Les rues de San Francisco, ils font des montagnes russes. Ça m'énerve. On voit rien quand on descend. Faut y aller. Genre, t'es à 50 km/h. Faut que tu passes à 3 km/h pour faire la descente. Sinon, tu vois pas ce que t'as en dessous. Oh là là, le nombre d'accidents qu'il y a dû avoir dans la réalité, dans ces trucs-là. J'imagine même pas. Désolé, des fois je vous parle pendant qu'ils discutent, hein, mais c'est parce que je vois pas qu'ils discutent en fait, des fois. Parce que j'ai pas le son très fort. Du coup, j'entends pas quand ils parlent, par exemple, là ils parlent, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, vous avez les sous-titres. Ben oui, on n'a pas le temps, monsieur. Bon, maintenant on parle avec Jimmy. Enfin, avec Jason. Jason, on m'a dit que tu venais pour une audition aujourd'hui. Jimmy! Ouais, tout à fait. J'étais sur le point de partir. Comment ça va? Pas top, justement. Je crois que j'aurais pas dû manger mexicain hier soir. Mon estomac se venge sur moi. Et franchement,
C'est pas beau à voir. Ah, ok, ouais, je vois le genre. Mon cul, c'est la vidange de l'extrême. Oui, oui, j'avais compris. On peut reporter? Ouais, ça m'arrangerait. En attendant, je prends des cachets. Je te rappelle dans pas longtemps, promis. Alors, ça marche? Ça marche. Prends bien soin de toi, Jimmy. Compte sur moi. Oui. Bonjour, je suis Jason Lowell. Je suis ici pour votre audition. Ah oui, Jason Lowell. Vous êtes très fort, il paraît. Allez-y, entrez. Merci de me recevoir, vraiment. Asseyons-nous. Alors, et si on s'y mettait? Mes sources m'ont dit que vous aviez formulé quelques doutes à propos de l'église. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Des doutes, c'est un bien grand mot. Disons que je suis un peu moins inspiré qu'à une certaine époque. Jimmy, n'ayez pas peur. Vous pouvez vraiment tout nous dire. Vous avez raison. Ok, il y a certaines rumeurs à propos de cet endroit où on emmène les membres de l'église quand ils ont des problèmes. Et ils n'en reviennent pas avant un sacré bout de temps, quand ils reviennent en tout cas. Je suis au courant de ces rumeurs, et vous savez quoi? Rien de tout ça n'est vrai. Mais c'est tout? Je vais pas avoir d'ennui? Pour avoir dit la vérité? Non. Merci infiniment, je vous promets que vous n'aurez pas à le regretter. Écoutez, juste une dernière chose. J'ai vraiment envie de creuser cette histoire de rumeurs, alors vous savez où ce camp imaginaire est censé se trouver? J'en sais rien, et j'espère ne jamais le savoir. Est-ce qu'il a un nom, alors? La Chambre Rouge. Il l'appelle la Chambre Rouge. Oh, et Jimmy, une dernière chose. Vos 5 derniers films étaient vraiment... vraiment à chier, alors... essayez de faire mieux. Allez, gardez la pêche. Ciao! Ciao. Il va falloir un deuxième prêt à la course pour prendre les mondes. Donc là, nous partons... Bon, je sais comment on va pouvoir se faire New Dawn, mais il y a quelque chose qui cloche. Jimmy Siska a peur d'un truc appelé la Chambre Rouge. Jimmy Siska, dans la Chambre Rouge. Apparemment, ce truc, c'est une espèce de centre de désintox où ils envoient tous les membres de l'église qui leur posent des problèmes. Et ceux qui y vont, bah, parfois, ils y restent toute leur vie. S'ils kidnappent vraiment des gens, c'est notre meilleure chance. J'ai aucune info là-dessus. Tu veux que je me renseigne? Non, je gère. Merde. Miranda à l'appareil. Ouais, c'est moi, Marcus. Marcus Holloway. Comment vous avez eu mon... Oui, j'avais oublié. J'ai besoin d'une info. C'est au sujet de New Dawn. Ça vous dit quelque chose, la Chambre Rouge, Miranda? Je vous envoie une adresse. Retrouvez-moi là-bas. J'ai juste besoin d'infos. Bon. Donc, je sais quelle mission on va faire. Je m'en souviens aussi de cela. En fait, il y a Jim Siska, il s'est fait enfermer quelque part, en fait. Et il faut aller sauver, plus récupérer des informations dans la zone. Donc il y a deux choses à faire dans cette zone. Là, je regarde s'il n'y a pas une voiture à m'acheter, mais de toute façon, avec 2000 ou 6000, j'ai pas trop d'argent. Pas grand chose à faire. Il m'a dit, ça sert à quoi mon yo-yo? Je vous montre mon coup de poing. C'est pas mon yo-yo, mais... Tu veux qu'on s'explique, la police? Quelle est votre urgence? Tu veux qu'on s'explique? D'accord, alors viens là, hein. Retrouver Miranda près de la plage. Sauf que je ne vois pas Miranda. Opération principale. Vous avez intérêt à envoyer une patrouille. Près de la plage. Près de la plage. C'est-à-dire que c'est à côté d'une plage, attends, fais voir. Les plages. Ah là. Ok, c'est bon, je l'ai. Le CIOS a confirmé votre position. La police est en route. Dans les points de recherche, on a 0 points de recherche pour le boost. Non.
Enfin, on a le truc pour pouvoir le débloquer, mais on n'a pas les points de recherche. Tout va bien. Ok. J'espère que je parle assez fort et que c'est assez fluide cette fois. Dites-moi surtout en commentaire, s'il vous plaît, quelle vidéo vous intéresse pour que je les fasse, parce que je sais pas encore les goûts. Si ça se trouve, voilà quoi. Je vais vraiment bien demander les goûts pour savoir quel type de vidéo je vais faire. Vidéo d'information, vidéo par exemple pour donner des conseils ou des trucs quoi. Dites-moi, là je fais du Watch Dogs, je fais un peu tous les jeux, j'ai envie de jouer. Après, dites-moi quoi j'ai vu. Hop. Cette voiture ne tient pas, cette direction n'est pas très... Enfin voilà, tu m'as compris, les virages ils sont souvent faits avec ces bagnoles. Camion blindé, vas-y je le fais. Hein. Alors... Hop, je place le repère. T'es mal. Hey. Hein? C'est passé là. Le paquet est tombé. Bah oui, il est tombé, je peux quand même récupérer. Il est où? T'es où? Merde. Bon. Bah voilà. Oh, regardez, les gyros ils s'allument. Vous inquiétez pas, frère. Enfin, c'est des gyros ou quoi? Enfin, je sais pas, il y a des lumières qui s'allument quand on freine. Oh. Sur le toit là. Hop, je conduis comme un chef. Bon, on va voir Miranda. Donc, comme vous avez dit dans l'épisode 1, que Miranda... Yo, Retro, on a un mec de Primate qui fout la merde dans toute la ville. Voilà, c'est... Ah, c'est moche. Et les flics pour rien? Ils essaient, hop. Mais ralenti, je peux pas leur montrer comment on fait. Là. Et salut. Tu diras bonjour à ta femme. Je sais pas pourquoi, mais j'ai cru que quand je lui ai volé ma voiture, la moto, il a dit bah Mayama. J'ai cru qu'il avait dit ça. Et alors, c'est quoi votre problème? C'est nous le problème, d'après Newton. Qui, nous? Deadsec. Je le savais. J'ai quelques amis qui rêveraient de vous envoyer en prison. J'ai pas peur de me battre, et vous non plus, à une certaine époque. Je vous demande pardon. Vous aviez pas tellement peur de vous attaquer à Newton, si je me souviens bien. Mais bon, je comprends. Vous êtes au conseil, vous êtes importante. Non. Ne venez pas me sortir que je suis une vendue maintenant. Ces ordures détruisent des vies jour après jour. Ils sont allés jusqu'à publier des vidéos de mes opérations. Sauf que voilà, j'en ai rien à secouer. J'ai rien à cacher, moi. Donc voilà, voler le registre des résidents. Pas de problème. Marcus, t'es allé voir Miranda? Ouais. On pense que c'est ici, mais on sait pas vraiment sur quoi on va tomber. Par contre, il cache forcément quelque chose. Je vais voir si je trouve un PC, histoire de fouiner un peu. Oh non, c'est fermé. Voilà, ils ont close. Dès que j'ai fini de parler à Miranda, ils ont fermé. Sympa la vie, hein. La clé est où? Elle est là-bas. Heureusement, j'ai pris le drone pour aller récupérer la clé. Hop. Par contre, j'ai pas de EEI. Je récupère s'il vous plaît la clé. Ensuite je regarde les entourages. Un truc ouais, là-bas il y a du Missiska en vert.
pas de soucis, je vais voir si je peux le contrôler directement de là. Non, faut vraiment que j'amène Marcus. Alors. Ok, donc normalement je peux ouvrir la porte là-bas. On va voir ça. Ouais, je peux ouvrir la porte. Ensuite les EII, enfin les. Bref. Les EII. Oh merde, il faut aller. Les EEI en fait c'est les bombes. Enfin c'est les grenades. C'est des trucs que tu lances et tu le pirates pour qu'il explose. Heureusement que j'ai pris le drone, hein. Hop, le pirate. Hop. Arrêtez ça, hop. Ils ont mal aux oreilles, comme ça ils m'entendent pas venir. Je déconne, ça ne sert pas à ça. Hop. Ici, bah tiens, il y a un autre truc ici. Hop. Non, je ne peux pas le faire non plus. En fait, le drone, il peut pas faire grand chose en fait. Le drone, lui, il peut juste mettre le net hack et faire des trucs en hauteur, quoi. Mais il va pas servir à... Enfin, il pirate, en fait. Mais il va pas pouvoir faire des trucs. Par exemple, le jumper, lui, il peut pirater les pare-feu. Enfin, il peut brancher les trucs au pare-feu. Il peut faire plein de trucs, le jumper. Mais lui, là... Oh, c'était pas loin. Bon, que je l'attaque. Allez, ça va. Au secours. Mise comme un board. Hop. Ouh là là. Je cours tellement vite. Ah, il va pas venir, hein. Hop. Je me planque. Il y en a là. Il est où? Ah, il est là-haut. Il est bien fait à côté. Ouais, hop. Le tout s'est tapé. La vérité a toujours été claire depuis l'aube de l'humanité. C'est bon, j'ai récupéré la manette parce que ça, ça peut servir. J'espère que ça me compte bien. On va voir ça. Alors. Arrête. Oh, celui-là. Faut... Oh, il est trop bien celui-là. Il... Enfin, en tout cas, il est utile. En tout cas, quand t'es en mission, il est pas mal. Parce que des fois, quand t'as des systèmes de sécurité, genre les détecteurs de mouvement, tout ça, bah tu peux les enlever, quoi. Et en fait, il y a un cadenas. Jimmy Siska. Et ben voilà, j'avais raison. Oui, Marcus. Je suis au bon endroit et ils l'ont bien amené ici. Si j'arrive à le faire sortir, vous pourrez le mettre en lieu sûr. Vous comptez sur moi. Et vous le savez. Je serai prête. Dès qu'elle se rendra compte que j'ai disparu, elle va. Jason ? Je m'appelle pas Jason et je bosse pas pour Newton. Faut me faire sortir d'ici, mec. J'ai rien à faire là. Barrez-vous. Allez. D'accord, d'accord. Hop, c'est le logo de Newton. Faut bien l'imprimer car il va nous servir. Aidez Jimmy Siska à s'évader, objectif atteint. Miranda, Jimmy Siska se dirige vers vous. Ok, et vous? Je m'en sortirai seul. Assurez-vous qu'il lui arrive rien. D'accord. Hop, on quitte le camp, on prend la chignole, et puis on part. Pas de soucis. Wesh, cousin, c'est Bobo Dex. Mission accomplie. Super. Bon, là on va à la mission. Donc là on va à l'église. Je me suis lancé cette mission. Je sais pas pourquoi c'est cette partie-là. Je me suis en plus. Marcus. Désolé, monsieur. Jimmy est en sécurité. Pardon, merci, Miranda. Si non, c'est vous qui avez tout fait. Je prends le taxi. Il veut vous parler. Je vous le passe. Marcus. C'est une hybride, c'est bien votre nom. Celle-là. Non, enfin, je veux cramer tous ces fumiers et je sais pas où commencer. C'est un truc qui fait pas de bruit, quoi. Retrouvez-moi devant le temple de Newton. Non, mec, il faut porter plainte. On vient de prouver que l'église séquestre des gens. En plus, j'ai tout filmé. On va diffuser la vidéo au monde entier et ça va être bon. Non, non, non. Je peux vous emmener au cœur de l'église. Les reliques sacrées. La source originelle. Ah, ça, c'est une offre que je peux pas refuser. On se retrouve là-bas.
Ah, désolé, monsieur. Hein. Hop. Voiture, elle est pas mal. 6 points de recherche. Je vais pouvoir m'acheter ce que je veux avec les 6 points de recherche. Oui, 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 oui. Hop. Ça. Ça, c'est des. Les bombes qui font endormir les gens. C'est pas celle que je veux. Hein. Évidemment. Donc. C'est là. Donc là, on va pas. On va pas à l'église là. On va retrouver Jimmy Siska. Je crois que c'est lui. C'est un autre monsieur. Ça va être un peu par lui. Donc c'est bon. En tout cas, on va rencontrer quelqu'un. On va discuter avec lui. Et il va nous emmener. C'est juste à côté. De toute façon, on va trouver son balai. C'est ce qu'il y a fait. Ah non, je vais passer. Je vais faire le jump. Voilà. Hop. On est parti. Finalement, je vais vous faire la suite dans le prochain épisode. Hein. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Enfin, en tout cas, j'essaie de faire plus court possible, mais c'est chaud quand même sur Watch Dogs. Donc voilà, et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao! In the movies, I've been a part-time shadow cat. Part-time, that is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp, make an MC into a wide-eyed lunatic. That's how we get it done. Sly Ink, GVA, that's how we get it done.